Samedi après-midi, l'amphithéâtre de l'IET de Wamy résonnait au son des instruments à vent dans le cadre du concours régional Hauts-de-France des jeunes talents et espoirs de la musique organisé par le Rotary Club en partenariat avec la communauté de communes des Hauts-de-Flandre. Alors, sont concernés pour ce concours les candidats, les élèves donc des conservatoires et écoles de musique de la région Hauts-de-France, mais pas que. Il y a des candidats qui viennent aussi de l'extérieur maintenant. Et ça concerne donc la famille des vents, les bois et les cuivres. Voilà, trombone, trompette, clarinette. Élèves des écoles de musique de la région, ils étaient une vingtaine sur trois catégories d'âge à se présenter devant un public, mais aussi un jury de professionnels. Trois catégories de candidats. Hein. Jusqu'à 11 ans, c'est la catégorie bambin. Jusqu'à 16 ans, c'est la catégorie espoir de la musique. Et jusqu'à 22 ans, la catégorie jeune talent. Alors il y avait 20 candidats aujourd'hui et 7 de la CCHF ont concouru. Alors la semaine prochaine et demain, il y a une vingtaine ou 30 candidats par centre. Il y aura Château-Thierry, il y a eu Arras, il y a eu Saint-Omer la semaine dernière pour trouver les meilleurs pour la finale où il y a une dizaine de finalistes. Ça fait maintenant quelques années que j'ai la chance de présider ce jury cuivre pour le concours des jeunes talents du Rotary. Je m'entoure toujours d'éminents collègues pour sélectionner les jeunes finalistes. Cette année, la finale sera à Cambrai le 14 avril. Et donc, nous avons du pain sur la planche parce que le niveau est très très relevé dans les trois catégories. Et c'est à chaque fois un plaisir d'écouter ces jeunes pousses musicales qui se produisent devant nous. Alors, pour certains, c'est la première fois, donc c'est toujours assez impressionnant. Mais voilà, ils se sont très très bien comportés aujourd'hui à Wamil. Soit la catégorie, quel que soit l'âge, les candidats ont tous en commun le trac. Mais au-delà de la musique, ce qui est important pour chacun, c'est l'expérience de l'exercice qui est pour tous une première. Au début, j'étais un peu stressée, mais ensuite, je me suis dit que ça va être une belle expérience et au moins, pour me prouver que j'en étais capable. J'étais un peu stressée aussi au début. Puis, après, je me suis dit que ça allait aller vu qu'il y avait des autres gens avant qui l'avaient fait. Présenter des élèves aujourd'hui, c'est un travail particulier, c'est une préparation particulière, il n'y a rien de simple, il n'y a rien de naturel non plus. Pour les élèves de jouer devant un jury, devant un public aussi, elles ont l'occasion de jouer devant un public lors des auditions, mais c'est pas le même travail, c'est pas la même chose, il n'y a pas le même enjeu et on a choisi donc une pièce qui leur correspondait bien et je pense qu'elles ont rempli le contrat, c'est, quel que soit le résultat, c'était plutôt une belle expérience. Jouer en public, comme c'était le cas aujourd'hui, accompagné du piano, ça vous met en face des réalités, hein, en face de vos faiblesses. Et puis, malgré tout, c'est un concours donc qui se mesure aussi par catégorie d'âge, avec d'autres musiciens qui viennent, certains aujourd'hui venaient même de Reims. Donc voilà, c'est un challenge pour nos jeunes musiciens et c'est la raison pour laquelle on est partenaire, la CCHF, de cet événement, parce que ça fait beaucoup progresser les élèves. Tout au long de cet après-midi, le jury a observé et écouté chaque candidat. Il a pris des notes pour le moment venu délibérer et opérer sa sélection. Son président nous donne quelques pistes qui orientent ses choix. Alors pour ce qui me concerne, moi toujours, je cherche toujours le côté musical. Voilà, on ne parle pas de technique, on sait que voilà, chacun travaille avec ses moyens, etc. On cherche toujours la prestation musicale, donc le choix du morceau est très important. L'accompagnement aussi, voilà, de bien s'entourer pour être bien accompagné, tout ça, c'est très important. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ce côté-là, de bien se comporter sur scène avec ses moyens. Voilà, c'est un des critères les plus importants pour moi. Même si beaucoup de candidats ne seront pas retenus pour la finale, cela s'est peut-être joué à presque rien. Mais au-delà, chacun s'accorde à dire que ce concours est une expérience enrichissante au travers de laquelle chacun y a finalement gagné quelque chose.